parti. Maintenant, l'attaque. Préparation de la guerre 14, descente de la guerre 14. À l'attaque, RSA. Tous les artistes de l'avant-garde dont je parle dans ma thèse s'intéressaient à d'autres domaines que l'art et ramenaient à la concrétude de la vie quotidienne. La pratique contemporaine de Michel correspond à cette vision. En hommage à Albert Heide. Action ! Action ! Action ! Je l'ai rencontré en école d'art lorsqu'il donnait des cours qui n'en étaient pas Action ! Et faisait des performances Action ! Ou des ateliers qui n'avaient rien à voir avec ce que j'avais vu avant. Action ! Action ! Action ! Depuis ce moment-là, chaque fois que nous nous sommes vus, je l'ai naturellement filmé lorsqu'il se mettait en scène de lui-même. Sur tous ces problèmes, il a dit ce jour-là qu'il faudrait un José Bové dans chaque département. Dans le travail. Et pas un messie qui dit ce qu'il faut faire. Il dit « do it yourself », comme a dit les Fuchs. « Do it yourself ». Nous commençons tout de suite avec le serpent. C'est bon pour moi. 5 août 2013, vers 12h, nous sommes dans le Taillou. Le petit ruisseau torrent qui sépare la commune de Saint-Pierre-d'Alvar, où Coyolle-Giroux-Garboult est né, de la commune de Morestel-de-Maille, où Coyolle-Giroux est là depuis 1949, avec une intersection de à peu près 40 ans à Paris, 1959-1999, 40 ans à Paris, et d'aller-retour ici. Un petit concert pour l'eau qui coule depuis là-haut à 1100 mètres, dans la petite baignoire à Coyolle et au sanglier. Michel Giroux, dit le Coyote ou Gerwulf, dirige la collection L'Écart Absolu aux Presses du Réel. Et il a dirigé des collections aux éditions du Chêne et aux éditions Jean-Michel Place. Il a aussi rencontré pas mal de personnages de Fluxus et surtout, il a lié une amitié profonde avec Wolf Vostell. Il a également dirigé le journal Canal dans les années 80 et 90. Il est critique et historien de l'art, il a été professeur et il se consacre depuis le nouveau millénaire à son travail artistique et poétique. Il le met en jeu par des interventions dans des milieux scolaires ou bien des workshops en école d'art. Le CV est de toute façon plus long que le bras, mais le personnage ne se décrit même pas. Michel vit dans les Alpes entre Grenoble et Chambéry, et c'est à cet endroit que se crée et que ressort tout son travail. C'est une poétique de la marche et des nuages appliquée au quotidien. Par rapport à interdisciplinaire, alors Piaget à la Sorbonne et en Europe, le premier congrès de d'interdisciplinaire, dont ils ont remarqué que si en effet l'université, chacun est dans sa discipline, il est impossible de découvrir la complexité du monde. Donc il faut, quand tu fais anthropologie par exemple, tu dois faire de la linguistique, tu dois faire de la rhétorique, tu dois faire de la sociologie, tu dois faire de la psychologie, tu dois faire de la théorie, voilà. Et le vrai interdisciplinaire, il doit faire aussi avoir des notions d'histoire des sciences et des mathématiques. Donc on arrive à l'encyclopédie. Plus de séparation entre disciplines. Par rapport, pour revenir après, oui. À ça, quelle différence toi tu fais, enfin,
entre interdisciplinaire et transdisciplinaire dans ta vision alors, des choses. Alors inter, c'est parce que tu vois, il y a les définitions universitaires hyper. Intermédia, il y a multimédia les uns à côté des autres. Par exemple, tu fais des dessins, tu fais des tableaux, tu fais des concerts, tu écris des poèmes, tu écris un traité. C'est multimédia. Chaque discipline sont séparées, mais tu es multiple. Parce que tu as une force de frappe énorme, et où tu travailles 4 heures par jour, tu travailles 16 heures par jour. Donc tu peux faire plusieurs vies dans une. D'accord. Ce qui est arrivé d'ailleurs à des peintres qui sont aussi écrivains. Intermédia, c'est quand tu es les deux en même temps. C'est-à-dire que, comme Blake, tu fais des poèmes et les dessins en même temps. Moi, je fais un schéma, c'est un poème et un dessin en même temps. Le jour où l'écriture devient une cursive, devient un dessin. Alors là, c'est l'intermédiaire. Là, par exemple, là, nous sommes dans l'intermédiaire, puisque, pour moi, les moyens ne sont pas des voies, ce sont des moyens. Et si tu dis tous les moyens, alors je reprends la chose, l'oralité, ensuite l'écrit, ensuite la photo, le film, le net, et bien évidemment, l'oralien, comme nous parlons ici à l'appareil dans le numérique, ce n'est pas la même chose du tout, hein, je ne suis pas illusionniste, hein, je sais bien que je suis oralien dans le net, hein, puisqu'il y a l'appareil, il y a ton appareil. Donc, alors là, tu as vu déjà que tu es multiple, tout individu est multiple. J'utilise tous ces moyens pour construire une œuvre en mouvement permanent. Et bien entendu que si je fais le dessin de l'arbre, et si j'en fais la photo et le film, c'est pas la même chose. C'est pas tout la même perception. Et bien sûr que la perception la plus extrême, c'est la perception que tu ne peux pas retranscrire. Donc à ce moment-là, si tu veux être vraiment créatif, il faut que tu inventes l'arbre. Donc c'est plus la copie d'un arbre. Ou sinon, tu es botaniste et tu fais une copie exacte, scientifique de l'arbre. Mais si tu es poète, tu es un arbre toi-même, tu vois. C'est la grosse différence. Hein. Oui, parce que le botaniste, c'est rare qu'il devienne artiste, mais il fait des dessins tellement magnifiques qu'il l'est malgré lui. Voilà. Mais il n'est pas vraiment, tu vois. Et bon, eh oui, parce que bon, voilà, parce qu'on l'a éduqué comme ça. Et par contre, les romantiques, quand ils sont botanistes, ils sont tout. Ils sont théoriciens et praticiens, poètes et musiciens. Maintenant, après, c'est une question de force de frappe. Petite introduction rapide pour la visite ce soir des 9 bureaux sur les 14. Nous allons faire 9 bureaux assez rapidement. Et bien entendu, là, c'est un tour de folie, puisqu'ici, c'est les 9 bureaux. Chiffre 9, magique, bien évidemment, 9. 9 fois 9, 81, et 9 est toujours 9. Nous sommes là, dans le hall, l'entrée, avec la bicyclette, le vélo électrique, du musée, des musées, de l'Imperium Asinum Magnificum, ayam, 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 selon les principes de la poésie totalement totale, pétété, patata, patatrac. Donc, nous allons faire des sortes de petites fracasseries du capitaine fracasse dans ces 9 bureaux. Là, nous commençons donc la grande pièce. La grande pièce qui est la préparation d'ailleurs de la fameuse exposition qui devrait avoir lieu au CNAC, au magasin à Grenoble, du 5-6 février au 29 avril 2016. Des cajots fruits et légumes, là, il y en a, on doit avoisiner les 1000. C'est choisi dans un rayon de 20 km et bien sûr selon leur son, leur voix. Ils ont plein de voix diverses. Haribo, Royal, Benzit, Terreno Bio, Melons et Merveilles, Celtian, Red Dragon, Catopé, Vagado, les délices de Naïs, Cricket, Cyrus, Edelweiss, etc. Kisao, Xtra, Croquez-moi, Cascone,
petit exemple comme ça d'un petit choix de folie. Ce sont des vrais poèmes, des poèmes trouvés, assemblés, montés, comme ça. Pas n'importe comment, mais je peux le faire banken, je peux le mettre dans n'importe quel ordre. D'ailleurs, chacun peut le mettre dans l'ordre qu'il veut. Alors là, maintenant, nous montons tranquillement. Il y en a tellement que même moi, je me trompe. Voilà. Non, ici, nous sommes dans un des appartements. On peut en avoir au maximum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9 maximum. Hein? Alors, bien sûr, ils ont dans chaque salle, dans chaque pièce, dans chaque, on peut dire, studio, il y a à la fois des œuvres, il y a un bar, voilà, il y a de quoi lire et il y a de quoi méditer. Hein? Avec, bien sûr, chaque fois des objets du musée. On est dans le musée, complètement dans le musée. Alors, quelques pièces, bien sûr, ici, nous avons quelques pièces entreposées du musée. Hein? Le Saint des Saints, voilà, le Saint des Saints. Alors, ici, bien sûr, c'est en voie de formation. Pour protéger les livres l'hiver, on les protège aussi en leur mettant des couvertures très chaudes. Écho ! Écho ! On pense à qui ? À Umberto Eco. Alors, là, bien sûr, un petit tableau avec une pièce de coyote, un petit dessin, un tout petit dessin. Là, c'est un petit extrait dans le musée de la suite du roman de la Rose. Coyote a poursuivi le roman de la Rose, et voilà. La Rose musquée du Chili, la Rose. Ce sont que des livres. Et là, bien sûr, je vais m'habiller en rose. Voilà, je suis tout rose. Voilà. Et bien sûr, la nuit des roses noires. Alors là, là, c'est des trésors. Là, c'est là, voilà. La coyote ce soir, c'est tout à fait exceptionnel pour la première fois, met sa robe de chambre rose. Bien sûr, ici, je n'ai pas encore eu le temps de mettre du rosé. Il y a des très grands rosés. Ah, il y a la rosée, bien sûr, la rosée. Là, la nuit, il y a de la rosée qui tombe. Hein. Voilà. D'ailleurs, j'ai bien du rosé, mais la bouteille est déjà finie. Voilà, vous avez ici. Voilà. Pink Flamingo. Le flamingo. Flamant rose, en français. Et là, tous les livres qui sont là, tous les livres qui sont là sont liés à la rose. Donc c'est la première fois que l'on pense à la suite du roman de la rose sous forme d'assemblage. Alors vous imaginez bien, intermédia, transmédia, multimédia, assemblage, après Rauschenberg, après Schwitters, jamais ils ont pensé à ça. Ils ne pouvaient pas, c'est pas leur truc. Voilà. Et moi j'aime tout ce qui est rose. Ben, rose. Tout le monde sait que Rose, c'est le roman de la Rose, mais le roman de la Rose, c'est aussi Eros, Eros, Eros. Eros, Eros et Rose. La Rose et Rose. Marcel Duchamp. Rose, c'est la vie. Rose, c'est la vie. La loupiote. La loupiote. Où es-tu, loupiote ? Ah, je la trouve. Ah, punaise, la loupiote, je la trouve. Ah, voilà, ça y est. La loupiote est là. Voilà. La première loupiote. Là, il y a un bar. Là, c'est la réserve. Hein. Cher ami, roulez au pas. Roulez au pas. Une œuvre. Trouvée au bord de route. Ici, un hommage à Picabia. Il disait, les cadres, c'est plus intéressant que le tableau. Pas de commentaires. Là, vous arrivez dans le secret. Là, dans le secret. Je vais jouer un petit peu. C'est un tambour amérindien. Canada. Et un djembé d'Afrique. Djembé d'Afrique. Et en face de moi, Betty Page, la pin-up, la reine des pin-up des années 50. Et là, c'est une réserve de livres d'artistes. Ici, il y a plus de 1000 livres d'artistes enfermés dans leur caisse, évidemment. Et là, Julien Blaine. Tout Julien Blaine, la revue d'Orc, etc.
Julien Blaine le fou. L'humidité, Jean-François Bory, tous les poètes sont là, enfermés, tous là-dedans. Bien sûr, dans les musées, il n'y a pas de son. Dans les musées du son, il n'y a pas de tableau. Dans les musées de l'outil, il n'y a ni son ni tableau. Là, il y a tout. Puisqu'il y a ici, ce que j'ai appelé, en nous finissant là-dessus, j'ai inventé en l'an 2000 dans le Jura, le mouvement d'avant-garde populaire de la montagne rurale. Rurale, 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 rurale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre l'ancien, le présent et le futur, car dans le grand présent, nous avons tout l'ancien et tout le présent, car le présent, c'est la magnification, l'augmentation de l'ancien. Donc, nous sommes tous aborigènes, d'il y a 1 million d'années, pieds nus, sur la terre sacrée. Maintenant, deuxième partie, c'est là maintenant. C'est l'installation de Coyote, maintenant. Alors tu fais tout de suite, deuxième partie, pardon, la lumière là, derrière toi. La beauté du soleil. Troisième partie, l'habillage de Coyote. Pour la faux, on passe de la mécanique, du progrès, à l'ancien temps. La connaissance encyclopédique et bricolée de Michel Giroux me semble tout à fait répondre à la vision de l'artiste transmédia qui m'a travaillé ces dernières années. Le palais idéal. J'enlève toute la mécanique. J'ai beaucoup attendu de ces rencontres, parce que je me disais qu'elle pouvait me montrer une voie de travail que j'aurais pas pu découvrir moi-même. Ce que j'y ai appris a bien plus de valeur. J'ai entrevu le fait que chaque artiste ou théoricien cherche une voie particulière et qu'il faut savoir trouver la sienne. La meule ? C'est pas une meule qu'on appelle ça. À un moment de ce travail, j'ai dû continuer seul et monter un film sur cette rencontre m'y a aidé. Ça, ce sera pour après. Ça, c'est la cinquième partie. Voilà. Donc, la faux. Donc là, c'est trois, l'habillage. Michel a appelé cette vision de l'enseignement 4, 1000 voix. Déguisage. 1000 voix. Et on ouvre. Avec la corne. Mayam,